John Faggianelli présente un nouveau jeu tous les dimanches sur Gulli, qui mêle monde virtuel et réalité. Il est venu le présenter dans le Buzz Télévision, l'occasion pour lui de faire de rares confidences sur son fils de 5 ans. John Faggianelli fait les belles heures de Gulli depuis plus de 15 ans. Il a notamment animé pendant plusieurs années le jeu In the Boîte et a même présenté avec Cécile de Ménibu une nouvelle version de l'émission culte Interville. Il a également prêté sa voix à un personnage du film La Patte Patrouille. Il va désormais animer Mission Gulliverse, un nouveau jeu révolutionnaire sur la chaîne, le samedi et le dimanche à 11h30, qui mêle la réalité et le monde virtuel. Deux équipes de deux enfants s'affrontent dans différentes épreuves dans l'objectif d'aller combattre le Big Boss final. Le fils de John Faggianelli a découvert ses fans invités du Buzz Télévision, l'animateur de 48 ans a fait de très rares confidences sur son statut de père de famille. Et même s'il est la star des cours de récréation, comme l'a souligné son interlocuteur, il a préféré garder son fils à l'abri d'une trop grande exposition médiatique. Je le préserve de ça. Ça me fait peur. Pour le coup, ça me fait très, très peur. On l'a toujours protégé de cette exposition, a-t-il réagi. Pourtant, le public de Gulli est très bienveillant avec l'animateur. En sachant que l'accueil des gens à l'extérieur est hyper cool, si est-il très, très bon esprit, a-t-il nuancé. Désormais âgé de 5 ans, son fils commence pourtant à prendre conscience de la notoriété de son papa. Pour preuve, comme l'a confié l'animateur, lors d'une sortie scolaire, il a pu se rendre compte de sa célébrité. On était par exemple en sortie de classe au parc de la Villette. Franchement, en tant que bon papa, j'y suis allé. Si est-il parti un peu. Mon fils me regarde à un moment donné, on était en train de manger notre sandwich, il me dit, « Et papa, je crois que tu as des fans là-bas. Va faire des photos avec eux », a-t-il raconté. Le petit garçon ne peut pas participer au jeu de son père John Faggianelli souhaite que son fils puisse grandir en toute quiétude sans que sa notoriété ait un impact sur son avenir. Et je le protège parce que moi je veux qu'il devienne l'homme qu'il devait être. Il a une fierté. Mais je ne veux pas que ça impacte, même si ça va le faire indirectement, sur ses choix, sur sa vie. Et je veux qu'il devienne l'homme qu'il veut devenir, a-t-il insisté. Le petit garçon regarde bien évidemment son papa à la télévision et particulièrement son nouveau jeu, mais revers de la médaille, il n'a pas le droit d'y participer. Ça, ce n'est pas cool. Il n'a pas le droit, a-t-il constaté. À lire aussi John Faggianelli, Gulli Max est pour les fans de Gulli qui veulent avoir un temps d'avance. I have a